Et puis, une fois qu'on est connu, la présidence organisée mercredi 6 décembre, une réception dans Mupana pour souhaiter bienvenue à Kansam Mambaro qui vient participer dans le 32e congrès conférence internationale Baro Tradition Juridique à Commun, CIB. Congrès ça qui fait chaque année dans plusieurs pays pour objectif créer échange intellectuel avec favoriser partage d'expérience entre différents barreaux en même temps avocats. C'est Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine qui était représenté président de la République là dans la réception là. N'a pas invité à suivre un compte-rendu avec Roosevelt Desrosiers. Pendant l'activité ça qui rassemble plusieurs centaines d'avocats, juristes et personnalités dans le monde francophone, non, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine te remet une plaque d'honneur par le président CIBA Francis Jackson Enyi Kanga, dans nos présidents République là. J'ai ça, d'après chef gouvernement, montré appréciation président République là pour événement ça qui a déroulé en Haïti. Maître Jackson Francis Ngui Kanga, président de la conférence des barreaux, au nom du président de la République et au nom du gouvernement, j'ai le plaisir de vous offrir cette plaque. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour dire à chacun de vous, venus de partout, que ici en Haïti, vous êtes chez vous. Président conférence internationale Barreau Tradition Juridique Commun, Francis Jackson Enyi Kanga, remercie chef gouvernement pour plaque les recevoir. Président CIBA fait connaître, geste chef gouvernement dit en pile pour lui à confrère Lio. Ce geste qui revêt à mes yeux au moins deux symboles. Premier symbole, celui qu'il a réaffirmé ce matin, son engagement à avoir notre profession, la profession d'avocat, occuper dans la promotion de l'état de droit une place centrale. Les avocats voyagent, la CIB voyage, M. Batonier-Battier, secrétaire général, vous qui assurez la permanence de notre organisation, vous voyagez. Je n'ai pas le souvenir. Je ne prétends pas à l'exhaustivité du souvenir. 32e congrès, conférence internationale Barreau Tradition Juridique Commun, qui démarre Port-au-Prince mercredi 6, à bout de samedi 9 décembre. Congrès ça a déroulé sous thème Avocat francophone dans service développement économique et social. Et puis, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a annoncé que le gouvernement fait qu'on ait ensemble des mesures pour combattre la corruption dans l'administration publique. Là. Dans ce sens-là, instruction déjà passée dans différentes institutions. En suivant. Président Jovenel Moïse, il a passé des instructions claires que nous-mêmes nous passons à ministre. C'est zéro tolérance en ce qui concerne corruption. Et nous-mêmes, nous prenons toutes mesures jugées nécessaires pour une bataille contre la corruption. Donc, nous sommes obligés de rationaliser, notamment le recrutement d'agents publics. La loi, constitution pays, l'éclair la donne. Toute nomination qui est faite pour faite au niveau d'administration publique, non? Je voulais parler de tout ministère, c'est le Premier ministre qui doit faire nomination ça. C'est que moun qui t'a écrit constitution nous, moun qui a écrit l'autre texte de loi yo, quand nous avons deux textes de loi qui datent de 2005 qui occupait, qui parlait de fonctionnement et d'organisation de l'administration publique, il y a tout clair. Et le nous arrivons là, nous ne pas venir pour nous imposer ça dans la tête, nous, mais nous venir pour nous appliquer la loi. Et le fait que nous n'avons pas appliqué la loi, ça fait qu'on prend une gargote dans le pays. Par exemple, on pourrait que gain de ministère, là nous paraît qui gain 3 000, 5 000 contractuels. Imaginez, on caille contre ici pour gain 5 000 monde qui travaille. Ou pas qui côté pour mettre, non? Donc, au niveau de l'administration Moïse Lafontaine, nous dit non, bah, ça n'a pas dû être fait encore.
Et ça fait que, le nous arrivons comme Premier ministre, il y a un certain nombre de circulaires que nous voyons par tout responsable au niveau de l'administration publique. Circulaire ça, nous avons circulaire 002. C'est un circulaire que nous fait le 5 avril. Donc, c'est quelques jours après que nous arrivons comme Premier ministre. Nous avons circulaire 003, qui est toujours relative à la rationalisation de la fonction publique et au contrat de service du personnel contractuel dans l'administration publique. C'est un circulaire qui datait du 17 avril. Nous avons un circulaire 005 qui est un rappel qui datait du 23 mai. Et enfin, nous avons un dernier circulaire qui datait du 26 octobre, côté que nous faisons rappel à circulaire antérieur. Qui donc, différents circulaires, c'est un message que nous t'envoyons. De sorte que, pour que nous ne prenions aucune surprise, côté que nous voyons que on instance l'État ou bien au ministère, ils font un paquet de nominations de contrats, et puis nous-mêmes qui responsables administration publique, nous ne sommes pas au courant. Donc c'est peut-être ça que nous demandons pour appliquer la loi. C'est que tout contrat qui doit passer au niveau de l'État, faut adresser le contrat ça au bureau du Premier ministre via l'OMRH, qui est Office de Management des Ressources Humaines. D'accord? Et là, pour nous traiter contrat ça et puis moun qui répond à profil là pour nous bailler au contrat. Et à l'heure qu'il est, tout ministère, tout bureau de l'État qui respectait la loi, qui respectait les circulaires du Premier ministre, tout bureau ça yo contrat yo honoré. Je nous t'ai annoncé au lit, 34e session Assemblée Parti d'Afrique, Caraïbes, Pacifique, ACPE, a organisé en Haïti sorti 13 pour arriver 20 décembre 2017. L'an. Plusieurs délégations ont déjà arrivé dans le pays, d'après premier secrétaire Chambre députée Jean-Willier Jean. Dossier épidémie choléra en Haïti doit aborder dans l'occasion, selon député Jean-Willier Jean. Participer dans plusieurs activités à CPIE. Et je dis à la, c'est nous capables de dire dans la période, ça, c'est un grand honneur pour nous, surtout pour nous pour c'est nous-mêmes qui recevoir à CPIE en Haïti. Je pense que ce n'est pas seulement pour Haïti, mais c'est pour toutes les Caraïbes. Là. Je dis à me penser, nous gagnons des délégations qui commencent à rentrer jeudi, mercredi à la. Toute semaine, nous avons des délégations qui rentrent. Pour au moins nous capables surtout planifier et commencer d'emblée les 13 ACP. Parlez-nous de Assisio en quelque sorte. Et je pense que Assisio a gagné et a un gros problème, les députés ont été soulevés. Heureusement, nous résolvons le problème. Ça, c'est sous question choléra. Nous avons gagné pour nous des commissions qui ont reparti sous question politique, sous question économique. Et sous question et choléra et santé, je pense que aujourd'hui, nous-mêmes, c'est un ensemble de problèmes que nous d'accord sur eux. Alors, c'est un ensemble de points que nous d'accord sur eux. Et ça va le permettre au moins nous-mêmes, nous pas seulement comme participants, et nous cap recevoir à CPIE, mais nous tout cap très actif dans toutes les décisions qu'a prises. Qui ça, CPIE? ACP, alors ACP, c'est Assemblée, Assemblée parlementaire paritaire. Et là, nous prenons UE, c'est l'Union européenne. Je dis à penser nous-mêmes, vu avec Haïti qui c'est moment de liberté, vu avec Haïti qui toujours mettait le bon côté liberté, c'est un aspect qui permet nous-mêmes, nous, faire partie des ACP UE.
Et puis Banque République Haïtienne BRH remet un certificat jeudi 7 décembre, non, ben, journaliste dans différents médias qui ont participé dans la formation 9 mois sous économie. Gouverneur Banque Centrale, là, Jean-Baptiste Dubois, a expliqué l'initiative, ça, c'est pour lever niveau dialogue entre responsables financiers et grand public là, pour faciliter une plus bonne compréhension sous décision qu'a prend dans le secteur économique. Là. Reportage Anne-Marguerite Auguste avec Moïse Wilbridge. Politique monétaire BRH, inclusion financière, marché changelant, c'est quelques thèmes qui t'ont fait essentiel formation ça, journaliste yo subi pendant 9 mois. Gouverneur Banque Centrale là, Jean-Baptiste Dubois, fait connaître objectif formation, c'est pour permettre journaliste yo gen capacité nécessaire pour faire promotion, vulgarisation et pour mener une analyse plus approfondie sur information économique yo. Li vise tout lever niveau dialogue avec public lan pour permettre yo pi bien comprendre information k'ap diffuse sous média yo à travers reportage ou soit analyse journaliste bénéficiaire yo ap gen pour diffuser concernant information économique yo. Gen trop moun k'ap di des bagages qui pas ça. C'est pour raison ça que nous se prend journaliste yo là pendant 9 mois côté que nous fait des cours de formation technique pour yo et nous permettre yo tout parler avec différents acteurs de policy makers, monde qui fait politique publique, yo, de façon à ce que vous compreniez pourquoi ça telle décision prend, surtout en politique monétaire. En politique monétaire, là nous prenons des décisions, qui ont des conséquences sur toute population. Mais c'est difficile pour nos banques centrales, pour nos 10 populations, mais pourquoi ça nous prend telle décision. Et décision, c'est toujours en faveur de population. Mais très souvent, on a des incompréhensions. L'idée de formation avec journalistes, yo, pour éviter que tout le monde dise ça qui passe ça. Et il y a de l'air de mauvaise foi, mais il y a de l'air de bonne foi tout parce que vous ne connaissez pas. Donc, nous n'avons pas de prétention de faire que vous venez tourner des économistes. Mais par contre, vous êtes suffisamment informé et averti de façon à ce que politique monétaire, le n'a fait politique monétaire au niveau de la Banque centrale ou bien les politiques publiques, on peut prendre l'exemple du budget. Dans pile des incohérences qui dit à propos du budget, qui n'est pas correct. Mais si vous avez des gens qui sont formés, à ce moment-là, vous même qu'à corriger et mettre nos perspectives, côté vous faire tout le monde comprendre pour qui ça, il y a tel bagaille qui fait. Et c'est ça l'objectif. C'est-à-dire que nous avons besoin que l'information économique et financière, là, qui ont une information très souvent difficile à expliquer au grand public. Donc, vous même journalistes, avec capacité de communication, vous pouvez mettre à niveau tout le monde, de façon à ce que tout le monde comprenne. Le n'a parlé, le Banque centrale a parlé de politique monétaire, qui ça lui dit. L'heure qu'il y a des décisions de politique publique qui prend, que ce soit au niveau du ministère des Finances, que ce soit au niveau de la primature, au niveau de la présidence, pour que les gens comprennent vraiment, voici pour qui raison politique ça a fait, qui est fait que vous parlez, et ainsi de suite. Journaliste bénéficiaire, yo apprécié et puis salué intérêt BRH manifesté pour élargir connaissances dans le secteur économique. Là. Yo croit que formation ça permet de plus bien armé pour traiter information économique. Yo. Ou après, puis fort média, c'est surtout bah, tout du jour. Et puis, mais, parce que dans le pays, nous, c'est surtout, bah, qui gagne, c'est actualité politique là, nous mettez en phase sous les médias. Donc, ça qui gagne rapport avec l'économie. Parce que tout soit, chaque jour, l'économie, il y a des conséquences, il y a des incidences sur chaque action à poser en dedans au pays, en dedans en société. Kovlel, Kopavlel, économie, sont éléments qui sont très, très importants dans la décision qu'a prend. Et méconnaissance des outils économiques, méconnaissance ou du moins ignorance de information économique, qu'on cause en pile dégâts. Donc, l'information information qu'on a qui fait côté, nous avons des notions, nous avons des éléments qui permettent que nous mieux comprenions ce qu'est l'économie. C'est la utile radio, la utile auditeur, la utile pays. Parce que c'est nous qui sommes capables et de lever le niveau débat. Ce n'est pas le cas de mettre en bémol les gains et trop barré comme ça dans le domaine économique. Donc, m'estimer, journaliste qui prend information sur yo, tu es capable vraiment de faire une différence par rapport avec faiblesse, lacune qui te gagne la cage journaliste dans le domaine économique. C'est une très bonne initiative dans la mesure où ça permet que nous renforcer les capacités nous, en termes d'analyse et en termes d'analyse politique économique. Mais ça permet que nous connaissons tout qui rôle chaque institution gagne, à savoir le Parlement ou bien la BRH comme une institution qui a une mission pour réguler la monnaie, c'est-à-dire pour assurer la stabilité macroéconomique du pays. Ça permet que nous avons un ensemble d'informations qui est capable de permettre que jeudi, ensemble d'analyse politique, ensemble d'analyse économique et nous-mêmes en tant que ça nous est capable de brûler un leader d'opinion, nous avons ensemble d'informations pour nous mieux appréhender, nous mieux outiller jeudi pour nous faire des analyses à tous les points de vue.
Gouverneur Banque Centrale là fait connaître y a bien pour organiser atelier mise à niveau pour journalistes bénéficiaires pour empêcher yo perdu formation qui souhaite fait là. Jean Baden Dubois annoncé un programme éducation financière à travers média yo dans l'idée pour public là rester connecté ak information économique. Et puis gouverneur Banque Centrale là Jean Baden Dubois annoncé depuis 1er décembre BRH mettait un sikilè dehors pour demander toute transaction qu'a faite sous carte crédit à carte débit faite en goud. Gouverneur a dit institution financière gain jusqu'à 1er avril 2018 pour appliquer décision ça. Il expliquait yo prend décision ça pour empêcher moun à passer goud pour acheter dollars américains. Jean-Baden Dubois mandé ministère commerce et industrie prend décision dans sens ça pour permettre application décision ça dans tout niveau. Un excellent micro Anne-Marguerite Auguste avec Maurice Wilbridge. Nous sortions circulaire depuis près de 3 mois. Côté nous averti depuis longtemps que à partir du 1er décembre que toute transaction qu'a faite sur un code de crédit, que transaction en fait en Haïti, que transaction en fait l'autre bord de l'eau, il est supposé fait libellé en gold. Ça c'est premier partie circulaire là et ceci depuis 1er décembre. Ça veut dire que depuis 1er décembre, quel que soit le monde qui font transaction sur compte, transaction supposée passer sous compte maintenant en gold. Ça veut dire que c'est là aux États-Unis l'a acheté, l'a payé en dollars, normalement, j'en ai habitué à payer, mais le l'a privé, l'a traversé sous compte en gold. Et ça, il n'est pas le fait avec taux que Visa ou bien Mastercard utilisé, qui très souvent, en fait, qui ont taux très proche de taux d'achat, en fait, taux de vente, en fait, de devises en dollars en Haïti. Si vous achetez tout en Europe, transaction a fait en euros, mais vous n'avez facturé en gold. Il va juste calculer le taux de change là et puis la payer en gold. L'objectif qui est recherché, c'est que un Haïtien en général, ou majorité Haïtien, c'est revenu en gold que vous avez. Vous n'avez pas besoin que chaque Haïtien ait toujours un souci pour la chercher justement qui gens que le pral converti gold lio pour joindre des dollars. Qui viennent faire l'obliger toute la journée, c'est un petit dollar dans la poche, et qui font rétention de dollars, qui diminuent tout offre de dollars qui a gain disponible sur le marché pour les transactions. Donc, fondamentalement, à partir du 1er décembre, ça veut dire que depuis la semaine dernière là, qui se passait, là, toute transaction faite sous carte de crédit, depuis son carte de crédit qui est mise en Haïti, transaction ça, maintenant, le l'a gardé sous compte, c'est en good. Cependant, il y a des gens qui ont gagné. Carte de crédit, il était en dollars et en gourde. Ceux qui ont anomalie, dans n'importe qui pays, la carte de crédit, okay, est libellée en monnaie nationale. Okay? Et c'est une particularité. C'est tout un pile gymnastique que nous avons obligé de demander Visa Mastercard fait, lorsque vous êtes venu en Haïti pour introduire carte de crédit. Vous êtes obligé pratiquement de faire une sorte de subterfuge pour avoir deux comptes. C'est comme si c'est deux comptes qu'on gagne sous carte de crédit. Mais c'est parce que nous-mêmes, nous toujours fait ben, nous, on tient différemment. Mais là, c'est tout simplement une normalisation que nous avons fait. Nous avons fait ça qui est normal pour faire dans tout pays. Donc, maintenant, comme il y a des gens qui ont gagné des dollars, qui ont des comptes, en fait, on partit en dollars sur carte de crédit et on partit en gold. Nous, les institutions financières, ont un certain temps de façon à ce que nous convertissons la balance qui est sur compte maintenant, de façon à ce que la balance, là, les vins qu'on a là, en gold tout. Si bien que à partir du 1er avril, tous les comptes, ok, t'as supposé en gold seul. Sont l'autre anomalie. Pour qui ça que la monnaie, la constitution reconnaît la gold comme la monnaie nationale. Pour qui ça est-ce que obligé chaque commerçant, je dis à, vient tout non agent de change. Parce que commerçant choisit taux de change pâle pour le baou. Et c'est ça qui force les consommateurs là très souvent. À 15 dollars, parce que là, le magasin, alors que le taux au niveau de la Banque Centrale aujourd'hui, c'est à peu près 64 gouttes 30 liens. Et puis, vous allez acheter dans un magasin, vous allez acheter dans une boutique, ou bien dans un restaurant, et puis vous dites 100 dollars liés, mais si vous voulez payer un goutte, mais qui tout m'a pas accepté. Et bien, autant que nous avons une équipe journaliste qui se fait formation, c'est des problèmes qui doivent être posés. Il faut que nous montions le dialogue là. Effectivement, ça c'est le rôle, ce rôle a été attribué en fait par les législateurs au ministère du Commerce. OK? Et moi, dans un proche avenir, que le ministère du Commerce
renforcer et en force pour cap forcer justement tout établissement pour capable mettre prix en good. Ou pas besoin qu'on quitte. Maintenant, si on est là où vient payer en dollars, là ça on va juste utiliser le taux de la BRH, le taux de référence de la BRH. Et puis, il faut qu'on ait ministre planification et coopération externe à Viol Florent. Si un jeudi 7 décembre, il y a un document qui peut être un plan de travail conjoint pour mettre campé cadre tête ensemble pour développement durable Nations Unies. Cadre tête ensemble, ça, à Péton, sous une période de 4 années, sorti 2017 pour arriver 2021. La servi est en instructif pour agir dans le développement durable et puis pour des réactions rapides dans différents domaines. D'après ministre planification à Viol Florent, un extrait dans le micro Isaïe Rélus à Quadson Labrousse. Ces plans nous interpellent toutes et tous, et chacun d'entre nous sera appelé à y participer. Nous construisons l'avenir et il faut s'y mettre résolument pour qu'il soit meilleur. L'action de notre gouvernement est imprégnée par la pensée du développement durable et ainsi il s'active à introduire à travers tous ces ministères et toutes ces constituants, une nouvelle ère, celle de la réconciliation du niveau de vie, du mode de vie et du milieu de vie en Haïti. Madame, Monsieur, chers partenaires, avec ces considérations, le gouvernement s'inscrit dans une vision de développement à long terme, à la fois harmonieuse et responsable. Le MPCE, animé par ce souci du développement, prend des décisions aujourd'hui en pensant au futur et est chargé de consacrer cet engagement du gouvernement en cherchant à doter le pays en action de développement durable qui devrait le hisser parmi les États les plus progressistes en la matière. Et puis, Institut Haïtien Statistique et Informatique, IHSI, lancé jeudi 7 décembre, 5e recensement général population avec Habitat. Recensement en population, ces affaires, nous toutes, on a beauté collé. C'est thème qui choisit pour réaliser 5e recensement SILA. Cérémonie lancement déroulée en présence à ministre Finance et Économie, Jude Alix Patrick Salomon, avec plaisir l'autre partenaire Kabay Bourad à projet SILA. On suit un reportage avec Rodney Dorléan et Bernard Marseille. 5e recensement général sous population et habitat, Institut haïtien statistique et informatique là, pour permettre aux autorités de mettre à jour informations sur la quantité de monde à caille qui gagne sur tout le pays d'Haïti. Il faut que nous bien comprenions que le recensement sont opérations essentielles pour un pays. C'est lui qui permet tout, gagner toute information pertinente sur la quantité de monde nous gagne dans le pays. Qui gens d'Acadie, population, qui gens évoluent, est-ce que la quantité de monde grandit, qui côté est établi, qui problème qui gagne côté établi, qui jan caillou construit, qui combien kilomètres route qui gagne, donc li permet ou gagne toutes données. Et ces données ça ou permet ou comprendre à partir de ta santé population, qui politique santé ou a développé, à partir de niveau de formation, qui politique éducative, à partir d'entreprise qui établit un côté, qui politique de formation professionnelle. Donc, faut que nous comprenne son instrument qui est essentiel pour ensemble l'État. Environ 20 000 agents cap équipés avec tablettes numériques qui pral déployer sur tout territoire pour faire recensement. Tout pays a embarqué vers la nouvelle technologie. Donc Haïti pas qu'à camper, les mêmes l'hérité sous traditionnel. Faut nous-mêmes tout avancer dans la région. C'est peut-être ça nous mettons en place toute structure qu'il faut et nous gagnons collaboration non seulement ministère des Finances qui c'est ministère de tutelle non. Le gouvernement haïtien, premier ministre, là, le président de la République, de manière à ce que nous réalisions le recensement ça dans de meilleures conditions possibles. Son recensement, nous allons utiliser près de 20 000 tablettes numériques, donc près de 20 000 personnels de près de 20 000 agents pour le déployer sur le terrain pendant une période de 30 jours pour collecter des informations au niveau de tout ménage, tout logement qui est dans le pays. D'après données, Haïti gen 14 l'année depuis l'été réalisé dernier recensement li.
une situation qui n'a pas respecté les recommandations des Nations Unies qui prévoit pour ta gain recensement chaque 10 l'année par rapport à changement démographique. Le cinquième recensement ça a coûté environ 29 millions de dollars américains. L'abjoint financement, Banque mondiale, à coopération canadienne et puis fonds dans le trésor public haïtien. Haïti réalisé dernier recensement de population né, en 2003. Donc ça fait déjà 14 ans. Or, recommandation des Nations Unies, et avec ça nous a les changements qui gagnent dans le comportement démographique. Yo. Donc, les Nations Unies recommandé pour ces chaque 10 ans pour gagner un recensement de population. Actuellement, IHSI a créé un bureau qui est le bureau du recensement pour mettre en place et réaliser le cinquième recensement de population pour Haïti qui est prévu pour 2018. Donc, à la fin de l'année 2018. C'est grâce à l'exercice ou qu'a estimé quantité de monde qui vivent sur un territoire et puis fait connaissance avec ensemble besoin de monde. Voilà, amis TNH, nous allons observer pause commerciale. Nous allons tenir avec l'autre information dans un petit moment. Poursuivre avec information. Merci pour fidélité et attention. Président de la Commission Affaires sociales, Chambre députée Jean-Marcel Lumiran, a encouragé le gouvernement à mettre un programme social pour les gens qui sont mal dans l'occasion fin année. Député Lumiran a expliqué dans la dernière rencontre commission avec le ministre des Affaires sociales, il était promettre un accompagnement social avec les gens qui sont dans une situation difficile. Il y a un excellent micro, Fédéric Confident, avec Moïse Wilbridge. Nous avons rencontré avec le ministre des Affaires sociales, avec toute entité qui relève des affaires sociales, puisque nous connaissons généralement, fin d'année, les questions sociales qu'il faut aborder. Nous avons soulevé pour regarder quelle perspective le gouvernement a gagné en matière sociale pour l'intérêt de la population. Cependant, le ministre a dit nous avons une disposition qui apprend, mais je vous dis qu'il est encore tôt, on n'est que 7 décembre, nous pouvons faire suivi avec lui pour qu'on ait réellement des mesures qui s'attendent. Cependant, nous souhaitons que ce n'est pas des mesures de dernière minute qui pourraient être gonflées dans une petite poche que nous ne connaissons pas, nous capable de rejoindre la population dans un bénéfice pour capable au moins passer en fin d'année dans une meilleure possibilité. Je dis qu'il y a une nécessité pour que le gouvernement Lafontaine Moïse Nant prenne de nouvelles dispositions qui tendent à avoir besoin de gens qui sont mal. Il y a des instances qui l'ont pour ça, tant que CAS, mais on n'a pas senti que y arrivé sur la population. C'est vrai qu'il y a des actions qui sont faites, mais les actions, les gens qui coordonnées, c'est des bagailles depuis toujours qui qu'on a faites dans la même directive sans aucun changement. Donc, moi, je souhaitais que une politique sociale qui tend plus vers la population pour capable de mieux être dans le temps. Et pour une deuxième fois, il y a un groupe étudiant faculté sciences humaines organisé un sit-in dans la faculté à journée 7 novembre. Les étudiants ça continué à exiger responsable dans l'université de l'État mandé la police à sécuriser l'espace la faculté sciences humaines pour qu'ils soient capables de reprendre. Woodley Noël avec Watson Labousse était sous place pour la télévision nationale d'Haïti. Pendant ce sit-in, le groupe étudiant Sayo continue à critiquer le comportement membre du conseil de coordination de la faculté de sciences humaines. Il a dit qu'il n'a pas pris responsabilité dans le cadre de la crise qui a traversé ces fâches-là depuis environ 10 mois, côté au PACA suivre coup. Dirigeant va dire rien, bon dire bloqué faculté, donc nous pas gagner pour nous faire. Nous obligé nous venir jouer, nous venir jouer, nous là nous dans jouer chaos, dans jouer domino et quatre qui t'en jouer, nous venir là pour nous venir jouer et puis pour dire on bagarre avec nous. Nous même nous besoin suivre cours. Nous venir l'école c'est pour nous ca suivre cours. Si dirigeant pas cap prendre responsabilité pour faire nous suivre cours. Jean Satadoué, qui a démissionné, qui a bail démission, tout ça. Représentant étudiant Fachio dans le conseil universitaire, Jean-Ederson Jean-Pierre, montre qu'il n'est pas d'accord avec l'attitude du groupe étudiant protestataire. Il souhaite la police faire intervention pour établir l'ordre dans l'espace faculté. Nous demandons la présence policière dans l'espace là
tout autant que bandi yo pa kite espace la fonctionner, c'est-à-dire police yo ka intervenu, rien doit faire 3 mois, rien doit faire 6 mois, rien doit faire même 1 an s'il le faut, tout autant que même comportement qui fait la police intervenu yo toujours là, faut que la police là dans la mesure où comportement ça yo pas là encore, les ça nous pas besoin gain présence policière encore. Groupe étudiant ça yo dit y a prêté mobiliser jusqu'à ce que faculté a réouvri. Et puis, une conférence pour la presse, jeudi 7 décembre, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine félicité policiers pour bon genre travail à faire pour mettre la paix, une façon pour tout le monde qu'a passé une bonne fête Noël. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine annoncé diverses mesures qu'a prend pendant la période fête là en Tib. Ces derniers temps, il y a un pile coup de filet que la police fait. Et c'est l'occasion ça que je prends pour me féliciter. Direction générale de la police, non? Pour me féliciter les policiers et les policières qui, pendant que nous-mêmes n'avons dormi sous cabane, nous, que nous-mêmes y avons fait un travail pour nous-mêmes, pour nous capables de fonctionner, pour nous capables de dormir en paix. Nous avons rapproché nous de fête de fin d'année. Gouvernement de la République, l'administration Moïse Lafontaine, l'a pris toutes mesures jugées nécessaires pour que fête fin d'année passe bien, que Haïtiens sortent à le fêter, que Haïtiens qui sont à l'étranger, qui commencent à rentrer déjà, parce que grand bouteillage qui est à l'aéroport, pour y rentrer, venir en Haïti. On a fait un petit coup de pied dans le pays, l'autre bord de l'autre côté, plus passé 200 000 monde évacués dans le sud de Californie, mercredi 6 décembre 2017, là, à cause de flammes qui continuent à faire ravage. Plus de détails avec collaboratrice nous, Betty Raphaël. Du feu qui éclatait dans Californie continue à faire ravage jeudi 7 décembre 2017. Là. Plus passé 200 000 personnes déjà évacuées dans le sud de Californie, mercredi 6 décembre. Non. Plusieurs milliers d'habitants étaient obligés d'évacuer dans le quartier Bel Air, États-Unis. Côté flamme du feu, obligé responsable de fermer pour un titan, une des principales circuits de circulation, autoroute 405. Là. 50 000 personnes ont dû quitter Cayo dans le comté Ventura, qui est sous Pacifique. Là. Du feu ça qui parcourit 32 000 hectares propagés en pile, jeudi 7 décembre, nan fait 2 jours, vent yon rendu difficile pour maîtriser. Yon moun perdit la ville dans du feu ça, plusieurs bâtiments boulés rapide, d'après pompiers, yon bilan yon ta doué augmenté. Année 2017 là, te yon nan pi mauvais année dans question du feu pour Californie, plus passé 40 moun perdit la vie yon mois octobre là, nan plus passé yon dizaine du feu, et puis plus passé 10 000 bâtiments boulés. Grève générale avec manifestation en Cisjordanie jeudi 7 décembre. Après décision, le président américain Donald Trump prend pour reconnaître Jérusalem comme capitale Israël en Suisse. Gros tension dans la rue Bethléem avec plusieurs localités en Cisjordanie jeudi 7 décembre. Après appel grève générale, groupe palestinien lancé. Plusieurs magasins fermés et puis l'école pas fonctionné, spécialement dans la zone côté qui est tension. Habitants ont mis affiche pour voir jeter décision Donald Trump pour reconnaître Jérusalem comme capitale Israël. Selon le président palestinien Mahmoud Abbas, États-Unis pas capable de continuer à jouer rôle mettant jouette dans le conflit Israël avec Palestine après décision ça. L'armée israélienne déploie plusieurs centaines de soldats dans Cisjordanie pendant qu'ils exprimé inquiétude pour mouvement ça qui est en main jeudi. Et après décision président américain Donald Trump pour reconnaître Jérusalem comme capitale Israël, Conseil de sécurité des Nations Unies a réuni en urgence demain vendredi 8 décembre. Président américain Donald Trump a déclaré le temps pour reconnaître officiellement Jérusalem comme capitale Israël en Suisse. Conseil sécurité des Nations Unies a réuni en urgence vendredi 8 décembre 2017 là après décision président américain Donald Trump pour reconnaître Jérusalem comme capitale Israël. Donald Trump isolé sous scène internationale là après décision ça. Conseil sécurité des Nations Unies prévoit réunir sous demande 8 pays, 4 pays européens, la France, Italie, Royaume-Uni et puis Suède, 2 Sud-Américains, Bolivie et Uruguay, et puis 2 Africains, Égypte et Sénégal. Faire Jérusalem vin capitale Israël, elle déménage ambassade li, c'est un gros coup d'après un pile opinion pour Proche-Orient. Donald Trump fait promesse ça pendant campagne li, cependant décision pour reconnaître Jérusalem comme capitale Israël là, contre résolution
Conseil sécurité. Dans la résolution 2334 là, qui est adoptée 23 décembre 2016, Conseil sécurité a été souligné les papes reconnaître aucune modification dans la frontière 4 juin 1967 là, ça qui gagne la donne Jérusalem tout. Statut Jérusalem qui a approuvé seulement dans la négociation directe entre Israël et Palestine, pas gain alternative pour joindre une solution pour deux états yo avec Jérusalem comme capitale Israël avec Palestine d'après secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Le président russe Vladimir Poutine mette fin à doute qui était gagné sous candidature pour élection présidentielle pour Mouhamad Kavini là. Vladimir Poutine a annoncé décision ça dans une rencontre qui est organisée à couvrir Nizhny Novgorod. Président russe là en tête pouvoir depuis l'année 2000, il a déjà fait 3 mandats dans tête pays. Vladimir Poutine est capable de chance à diriger pays pendant longtemps après Staline. Parmi les candidats dans le Kremlin, Alexei Navalny, yon pigo rival Vladimir Poutine. Je pense que dans les circonstances actuelles, c'est la bonne décision. Il y a d'autres candidats, mais ils ne seront de toute façon pas élus, n'est-ce pas? Qui pensait vraiment qu'il n'allait pas se représenter, ironie cette femme. Pour qu'on y a un accord connu à AN, si y a un accord avec TPTC, tout de suite, on invite au suivre un sujet sous ça. C'est un petit accord entre responsable ministère des Travaux publics, Transport et Communication et responsable aéroport Paris, ADP, doit faciliter travail réparation et aménagement fait dans l'aéroport Toussaint Louverture, une façon pour le cas répondre à la norme internationale. Le 5 février, démarrons le rabotage sur la piste ainsi que le reprofilage en grave bitume et suivi de la mise en œuvre du BBSG. Fin février, nous allons réaliser les accotements, les réseaux secondaires et les tranchées de radante. Fin mai, le début de la mise en œuvre du béton bitumineux aéronautique sur la piste et les accotements. Début août, élargissement et renforcement des seuils de piste. Et enfin, en septembre, signalisation horizontale définitive pour une livraison du projet. Donc, comme je le disais, fin septembre. Projet SILA, d'après acte conseil NEO, TCIN depuis l'année 2015. Mais quelques difficultés étaient obligées de camper. Reprise projet ça doit permettre à l'aéroport Toussaint Louverture gagner l'autre visage et puis améliorer les services, même gens ça fait dans tout aéroport international. La nécessité du projet là permet que Port-au-Prince ait une piste qui est standard. Et l'élargissement de la piste, effectivement, c'est ce qui était manqué pour faire piste standard. Donc, les premiers sont pistes qui vont répondre aux normes de l'OACI, l'Organisation d'aviation civile internationale. Quand j'ai expliqué tout à l'heure, ce projet qui commençait depuis 2015, qui était en suspension pour être des firmes de surveillance et avec DSNA Services, qui est une nouvelle firme qui va faire surveillance là. Donc depuis le mois dernier, novembre, où on a commencé la présence et mobilisation et Razel Bekevob et fils qui gagne cet équipement. Mais c'est à partir de lundi que nous avons commencé le travail effectivement sous piste en lui-même. 22 millions de dollars américains, c'est quantité d'argent projet ça a coûté. Li joint financement Banque internationale développement et l'État haïtien. Nous toujours la caillou mouvement patriotique populaire Dessalines mou pod annoncé jeudi 7 décembre yon veillée patriotique pour 9 décembre qui vini là, dans l'occasion journée internationale lutte contre corruption. D'après porte-parole mouvement patriotique populaire Dessalines non Serge Jean-Louis, il a mis accent sur capacité pour mettre campé dans pays a un tribunal opinion cap là pour dénoncer toute mauvaise action. En suivant extrait dans micro Midray Milias avec Watson Labouze. Non à la corruption et à l'impunité. Oui à l'état des droits et à la justice pour tous. À l'occasion de la journée internationale de la lutte contre la corruption, le 9 décembre 2017, le Mopod invite les militants politiques, toutes catégories confondues, les alliés et sympathisants, les élites anticorruption, les citoyens conscients, ravage de la corruption dans notre cher Haïti, à une veillée patriotique qui sera organisée le même jour, c'est-à-dire le 9 décembre 2017. En cette occasion, l'accent sera mis sur l'opportunité de créer
en Haïti un tribunal d'opinion, non seulement pour dénoncer des actions répréhensibles en matière de la corruption, mais aussi pour mettre en place une assemblée délibérative capable de prononcer des sentences appropriées dans les formes et teneurs universellement acceptées. Y a-t-il une stratégie nationale de lutte contre la corruption? Quels sont les rapports entre la corruption et la conférence nationale? Et puis, il faut qu'on ait un cadre de série d'activités pour marquer le mouvement 16 jours, activistes contre la violence qui a fait sous forme. Pour l'année 2017, la commission Équité Jeune dans le Sénat République a organisé mercredi 6 décembre un cocktail artistique dans Port-au-Prince. Une soirée qui te permet acteurs qui dans le domaine de droit femmes de rencontrer. C'était occasion pour le Sénat République a déclaré engagement sur la question de violence qui a fait sous forme. En suivant le reportage. Non, bien solennel côté ATAP cohabiter avec engagement, tant que ça te prévoit dans l'agenda soirée, après série témoignages, mise en condition et sensibilisation contre violence, cap fait sous forme actifi, c'est dans la République là, avec vice-président comme porte-parole, déclaré engagement dans le combat contre violence, cap fait sous forme actifi dans la société. Convaincu du rôle décisif du Sénat haïtien et de chaque sénateur de la prévention et l'élimination de la violence basée sur le genre, nous nous engageons à nous épargner aucun effort pour éliminer toutes les formes de violence envers les femmes et les filles dans tous les secteurs de la société haïtienne. De manière plus spécifique, nous convenons de 1. Modifier tous les textes législatifs qui contiennent des discriminations contre les femmes afin de renforcer le principe d'égalité entre les hommes et les femmes. 2. Intensifier le développement et la mise en œuvre d'initiatives de formation et de sensibilisation au sujet des conséquences néfastes de la violence faite aux femmes au sein des deux chambres, du corps législatif et auprès du public. Les signataires, votre serviteur, Salomon Jean-Marie Junior, Delva Garcia, Fétière Jean-Marie Ralph, Foucan Richard Lénine Hervé, Gelin Wilfried, Jacinthe Sorel, Jean-Jacques Sauveur, Willow Joseph, Lambert Joseph, Larèche Ronald, Louis Olondieu, Sildor Pierre-François, Dumont Pierre-Paul Patrice. Déclaration engagement échappe rose pour chaque sénateur et député qui prend engagement. Activité ça pour présidente, commission et équité Jean. Dans la chambre Sénat, Dieu donne Numa Etienne, c'est un déclencheur pour série travail. Commission et équité Jean dans le Sénat a compté réaliser. Cette déclaration qui m'a plu tout à l'heure a valeur de confirmation par les élus de la détermination de ces derniers à respecter les promesses électorales et à remplir dignement la mission qui leur a été confiée par les mandants ayant place entre les mains de leurs députés et sénateurs la responsabilité d'œuvrer à l'aménagement d'un avenir rassurant pour les citoyens et les citoyennes d'Haïti. Cette responsabilité inclut tout naturellement l'obligation et la fierté de porter dignement la couleur orange et d'agir en l'honneur et en faveur de celles qui portent en leur sein et dans leur cœur la sacro-sainte mission reproductive de construire et d'accompagner les bâtisseurs de nations. Cette joue activiste contre violence aux femmes, non, y aurait les tout. Mouvement Orange, c'est un mouvement institut international leadership femmes qui a été lancé dans l'année 1991. Uniforme a porté depuis quelques temps. 16 jours activistes contre violence aux femmes, non, tant mais chaque année, 25 novembre, dans l'occasion journée élimination contre violence aux femmes. Et Libout, 10 décembre, dans l'occasion journée droit monde.
Voilà, zanmi TNH, la nap mete yon bout a journal la. Pou kounye nou pral prezante yon grand site yo. Jacques Guy Lafontaine a annoncé toute disposition prend pour garantir sécurité population pendant la période fête là. La présidence organisée mercredi 6 décembre yon réception à Mupana pour souhaiter bienvenue à ensemble Mabaro qui vient participer dans 32e congrès conférence internationale Baro tradition juridique commun CIB. 34e session assemblée parité Afrique Caraïbes Pacifique ACP UE a organisé en Haïti sorti 13 pour arriver 20 décembre 2017 l'an. Plusieurs délégations déjà arrivées dans le pays, d'après premier secrétaire Chambre députée à Jean-Willer Jean. Institut haïtien statistique et informatique lancé jeudi 7 décembre l'an, 5e recensement général population et habitat. Recensement population, ces affaires nous toutes en poté collé. C'est sous thème ça qui choisi pour réaliser 5e recensement ça. Ministère planification et coopération externe, Aviol Florence, il y a jeudi 7 décembre, il y a un document qui porte le nom plan de travail conjoint pour mettre campé cadre tête ensemble pour développement durable Nations Unies. Banque République haïtienne BRH met un certificat jeudi 7 décembre, non, by journaliste dans différents médias qui ont participé dans formation 9 mois sous économie. Et puis après décision président américain Donald Trump pour reconnaître Jérusalem comme capitale Israël, Conseil sécurité des Nations Unies a réuni en urgence demain vendredi 8 décembre non, sous conséquence décision SILA. Merci tout le monde qui t'a suivi le journal TNH non, pour jeudi. Alors, c'est ton patient. Très bonne soirée et à bientôt. 8 pays, 4 pays européens, la France, Italie, Royaume-Uni et puis Suède.